Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours, je suis trop excitée pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul spécial wig synthétique. Et ça faisait tellement longtemps que je voulais faire cette vidéo et j'ai eu la chance d'être contactée par AliExpress pour pouvoir vous la proposer. Et là vous êtes même pas prêts de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Déjà juste regardez, là c'est l'eau à la bouche que je vous donne. J'en dis pas trop. En fait, c'est à l'occasion du 2e anniversaire d'AliExpress et il y aura des soldes de foot. De toute façon, je vous affiche sur l'écran les dates pour les soldes. Vraiment, sauvegardez ça dans votre calendrier parce que là, c'est du lourd ce que je vais vous montrer. Même moi, je suis choquée pendant toute la vidéo. Je suis choquée. Synthétique d'avant là. C'est pas synthétique de maintenant. Bon, moi, j'ai été dans le pôle cheveux, mais AliExpress fait des soldes sur tout le site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y aura toutes les informations, bien sûr, en barre d'infos concernant les perruques que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais les gars, c'est un vrai bon plan. Mais genre là, j'arrête pas de me regarder dans le retour, dans mon miroir et tout, tellement je suis saucée de moi-même. J'avais tellement d'a priori par rapport aux wigs synthétiques. Parce que moi, je suis restée à l'époque quand les wigs, là, c'était du plastique et ça avait l'impression d'aller prendre feu au soleil. Ça brillait comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et venez me suivre sur Instagram @ozoa_beauty. Moi, je fais d'énormes bisous et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Yeah. Et je suis surexcitée. J'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5 perruques. 5 perruques synthétiques. Ça faisait tellement longtemps que je voulais tester des perruques synthétiques. Là, là. J'ai qu'une hâte, c'est de tout essayer. Bon, je vous avoue, j'ai quand même déjà ouvert les paquets et ça a l'air incroyable. Je ne les ai pas encore essayés. Ce matin, j'ai fait mes nattes collées pendant que bébé dormait. Je vais mettre ma wig cap en chape et on va voir. Parce que, en tout cas, rien qu'au niveau du visuel et de la texture, c'est pas des perruques synthétiques de merde. C'est pas les perruques synthétiques qui prennent feu là, qui brillent de ouf comme on avait à l'époque. Et je crois que je tiens un bon plan les gars. Donc là on va se trouver pour un haul perruque. Wesh, c'est trop bien. Regardez mon collier, il y a un petit A. Oh non, on le voit pas. Il y a un petit A comme bébé Aaron. Bon, c'est parti, j'ai commandé un peu de tout. Il y a de la curly, il y a des tresses, etc. Parce que la tendance, vous avez vu passer, obligé, vous avez vu passer la tendance des wigs tressés. Ça fait un moment que c'est là. Mais moi, j'ai jamais franchi le pas. Je sais pas pourquoi j'avais un peu peur. Autant je voyais des modèles qui étaient super bien faits, autant il y avait des trucs, j'étais flippée. Donc, tout ça vient de la marque Calice. Donc, c'est une marque comme ça qui est sur AliExpress. Et donc, vous voyez, un 100% synthétique. On va voir. On va commencer par celle-là. C'est une curly comme ça, en 30 pouces, les gars. Regardez, mais wesh. Et je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais la texture, on dirait vraiment une texture de cheveux humains. Ça fait pas cheveux... je sais pas comment vous expliquer. Ça fait naturel de ouf. J'essaye de détendre un peu les boucles là. À l'intérieur, je vous montre, c'est comme ça. C'est un T quoi. C'est pas tout en tulle. Et voilà, après, faut customiser, etc. Là, c'est vraiment en mode haul que je vous montre. Pour que vous puissiez voir. Putain, hey, je suis choquée. Ah, c'est bien serré. Alors, je sais pas c'est quelle taille de cap. Parce que j'ai pas eu à choisir la taille. Non, mais les gars, une fois customisé. Non, je suis choquée. Et c'est bien parce que c'est bien serré, du coup ça va bien tenir sur ma tête. Imaginez quand je vais customiser là, là, et que je vais customiser autour, ce que ça va donner. Non, c'est trop stylé. Oh, regardez. Non, mais pour cet été, c'est gâté. Moi, là, je vais partir en vacances qu'avec mes perruques synthétiques. Oh, mais en fait, là, vous pouvez... ça me saoule parce que vous pouvez pas vous rendre compte de la texture. Est-ce que je coupe la tulle? Ouais, je vais couper la tulle. Mais le problème, c'est que... je devrais aller jusqu'au bout, mettre du fond de teint et tout, non? Et la raie, en plus, ils ont fait une raie bien longue. En plus, c'est bien noir. Putain, là, vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est trop stylé. Là, franchement, si je customise bien, ça peut faire une dinguerie. Calculez pas comment j'ai coupé la tulle, s'il vous plaît. Là, je me rajouterai du fond de teint. Mais je suis choquée. Là, regardez. Je vais faire une petite astuce, là. Là encore, la perruque, elle est même pas encore bien détendue. Enfin, les boucles, elles sont encore un peu serrées. Mais imaginez maintenant... quand elle va vieillir, je suis, mais vraiment, je suis étonnée. Après, il faut voir maintenant porter dehors, parce que des fois, il y a des trucs, c'est bien à l'intérieur. Après, le vent, il tape ça un peu, ça y est, c'est plus bien. Ah, mais on va plus casser la tête. C'est un truc de ouf. Non, les vacances, c'est gâté. Même si tu fais des petits bébières et tout, mais
qui va dire maintenant que c'est des synthétiques? Mais voilà, mes 30 pouces, vraiment pas cher. Franchement, je connais pas les prix, je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos, mais ça doit pas être cher. Hein. Bref, hé les gars, voilà la perruque numéro 1. Et à chaque fois, vous allez me donner une note et me dire c'est quoi votre perruque préférée. C'est parti pour la suite. Je sais pas quoi tester. On va tester la perruque Lox. Et en plus, à chaque fois, c'est trop bien, ils mettent une wig cap. Là, ils m'ont carrément mis des... vous voyez les anneaux là pour les locks et des fossiles hyper naturels, trop beaux. Elle se présente comme ça, encore avec une partie en T ici pour avoir la raie. Je sais pas si vous allez pouvoir la voir. Voilà. Et voilà les locks. Et ça brille pas du tout. J'espère qu'à la caméra ça va sortir comme en vrai. Ça brille pas. Putain. Et genre, t'as un truc comme ça pour resserrer à l'intérieur. T'as des épingles aussi et t'as le truc pour resserrer comme ça, bah, comme dans toutes les perruques en vrai. Alors c'est parti, et je suis excitée. Et carrément on dirait que c'est Noël pour moi. Et en fait j'ai pu tester ces perruques pour promouvoir le site AliExpress parce qu'il y a des promos en ce moment, des grosses promotions, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vais vous mettre les dates. Je dois le porter forcément comme ça ou quoi? Ça j'aime pas, parce que je trouve que ça fait pas trop naturel, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais qu'est-ce que vous en pensez les gars? Après il faut faire des baby hair et tout et tout. Est-ce que ça me va? Je sais pas. En fait les locks en elles-mêmes, elles font super naturelles, elles sont super bien faites. Et c'est hyper léger aussi sur la tête. En fait, la coiffure en elle-même, elle est belle, mais alors je sais pas si ça me va, je sais pas. Là, je suis un peu mitigée. J'ai hâte de voir vos retours, parce que I am a bit mitigée. Allez, on passe à la suite. Encore une perruque, version 13. Tout à l'heure, ma mère, elle a essayé, et franchement, ça a l'air incroyable. Ils ont fait un peu comme des knotless, et genre, en fait, toute la perruque à l'intérieur, regardez, c'est du crâne, genre, c'est de la tulle à l'intérieur. Je trouve ça trop stylé d'avoir fait ça comme ça. Et genre, elles sont trop bien faites, les tresses. Mais moi, ça m'a trop choqué. Ils ont fait des bébières et tout. Donc, je vais mettre ma pépée. Ça, par contre, j'ai trop hâte. Et franchement... Oh, waouh. Oh. Ah ouais, non, c'est beau. Ah, c'est une dinguerie. Mais on dirait vraiment que je me suis fait faire des tresses. C'est une dinguerie. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf par contre. Calculez pas les bébillards et tout qu'ils ont fait là, mais... Merci, au revoir. Ça, c'est les bébillards que eux, ils ont fait. Je vais les re-customiser après à ma sauce. Mais oui, je suis choquée. Non, par contre, je suis vraiment choquée. Les braids, elles sont bien longues. Elles sont bien fines au bout. Et regardez en fait, vous voyez, là, il suffit que en bas je me fasse la technique du faux crâne là et c'est bon. Bah c'est trop. Bah écoutez, ça c'est la perruque numéro 3 les gars, dites moi ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît beaucoup. Maintenant qui va venir me dire que j'ai mis une perruque? Donc les gars, vous allez comprendre, je peux pas enlever les tulles à chaque fois, hein. Vous même vous avez compris la vibe, c'est vraiment pour vous montrer parce que je pense que c'est un bon plan de ouf, surtout pour l'été qui arrive là. Moi j'adore en été me faire des braids, mais le problème avec les braids c'est que t'es obligé de les garder quand même longtemps parce que tu mets du temps à les faire. Arrête, moi souvent j'ai un petit peu mal à la tête et tu peux pas les enlever comme ça au bout de une semaine, donc t'es obligé quand même de rentabiliser le temps, l'argent et tout ça que t'as mis dedans. T'achètes une perruque comme ça là, aujourd'hui je veux des braids, demain je veux des curly, après demain je veux des locks et voilà. Vas-y, on passe à la suite. Il reste plus que deux perruques. C'est les mêmes. Une en noir et une en coloré. Ça fait vraiment afro, ça fait vraiment cheveux crépus. Et c'est pas shiny. Je sais que je l'ai répété 50 000 fois. Mais moi, ça, c'est un truc, j'avais trop peur. Sur ce vendeur-là, il y avait aussi plein d'autres modèles en perruques synthétiques. Genre, il y avait des nattes collées, il y avait plein de trucs. Moi, j'ai essayé de prendre les trucs les moins risqués. Et les trucs que j'allais vraiment porter. Parce que je suis amusée à commander... des trucs que je sais que je vais pas utiliser du tout. Ah, je peux mettre sur le côté en vrai. Sur le côté, c'est beau. Wouh! Attendez.
Ah, je viens de faire une dinguerie là. Ah, je viens de faire une dinguerie, les gars. Voilà. Ah non, je viens de faire une dinguerie. Oh, ah, c'est grave beau. Donc, imaginez ça une fois coiffé, collé et tout. Hein. Mais qui peut me dire quoi? Et là, vous voyez l'arrêt ou pas? Et voilà, Audrey, elle a un afro et puis c'est terminé. Après, bien sûr, vous pouvez tailler, former la perruque comme vous voulez. Là, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment pour vous montrer. Mais c'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Même un peu de vent comme ça. C'est très beau. J'aime trop. Franchement, plus qu'à couper la tulle, faire un peu de baby hair et period. Celle-là aussi, j'adore. Ça, c'est la wig numéro combien, là? La wig numéro 4, il me semble. Dites-moi ce que vous en pensez de la curly comme ça. Donc là, comme je dis, j'ai mis son côté, mais tu peux la mettre comme tu veux. Et c'est trop beau. Et je sais pas si vous allez voir, mais ça fait hyper, hyper naturel. Et à la texture, ça fait vraiment cheveux crépus. Mais comment ils font? Ah, je suis fan. Oh. Bref, vas-y. Là, il reste plus qu'une perruque, les gars, et j'aurai terminé. Oh, mais je suis surexcitée, c'est magnifique. Donc, comme je vous ai dit, c'est la même, hein. Mais en coloré et la couleur, elle est folle. La couleur. Franchement, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection parce que je crois que j'ai d'être cela. Godgo, elle a sélectionné la crème de la crème. Allez bien en barre d'infos pour avoir les liens. Waouh. Oh non, j'ai envie de mettre celle-là en fait aujourd'hui. Waouh. Oh non, c'est trop beau. Non mais là j'ai envie de pleurer. Désolée pour les bruits à l'extérieur, mais je suis obligée d'ouvrir et il fait trop chaud. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau là. Putain. Ça me saoule, c'est trop beau. Ah mais je crois qu'elle se porte vraiment sur le côté parce que tu vois quand je vais mettre droit comme ça au milieu, là il y a moins de tulle et là il y en a beaucoup plus. Donc du coup, mais après franchement vous vous en foutez. Hein. C'est incroyable. Et la couleur Pourquoi la couleur elle est magnifique comme ça? Et c'est bon, j'ai rien à dire là. Les gars, si ça c'est pas la vidéo la plus utile de ma chaîne. Non mais sérieux! Qu'est-ce que vous pensez de cette cinquième perruque? Et dites-moi aussi laquelle me va le mieux. Mais j'ai dû le dire 100 fois, mais je suis choquée. Mais vraiment, on a trop dormi sur les perruques synthétiques. Ça fait le taf. Ça fait le taf de ouf. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je me suis éclatée à filmer ça. Moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Mouah. Ciao.